13h en poteau. J'ai appris ce matin, c'était hier matin, qu'il est candidat aux élections prochaines. Il serait candidat à Kinshasa pour être député provincial. Quelque chose comme ça. Il est temps de vérifier, mais je crois que celui qui m'a donné l'info est bien informé. 13h en poteau, j'ai connu ses débuts quand il est arrivé pour la première fois en équipe des Léopards. C'était en 2005, dans le temps de Claude Roy. Ils sont arrivés en Senlis, c'est en banlieue parisienne où ils allaient loger. Et avec lui, il y avait beaucoup des anciens de Tout-Puissant Mazembe. Il y avait Mputu, il y avait Mbokani, il y avait Robert Kidiaba, il y avait Pamphile Miyayo, il y avait Ngandou, il y avait Eyale qui était de Lupopo dans les temps. Il y avait beaucoup de jeunes tout autour. J'ai vécu leur débit et voilà aujourd'hui, je voulais vous montrer les images dans les cadres de l'histoire, dans les cadres de notre culture générale, voir ce qu'a été le début de ces jeunes quand ils sont arrivés pour le premier rassemblement avec l'équipe nationale, la RDC, les Léopards. Madame, mademoiselles et messieurs, amis sportifs, bienvenue dans notre émission Congo Mosika Sport. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire. Je vais vous montrer les images rares que je n'ai jamais utilisées, je n'ai jamais diffusées, parce que je l'ai gardé jalousement. Mais quand j'ai appris que Mputu est candidat, le temps de vérifier, j'ai dit non, je vais lui rendre hommage. C'est un garçon qui a rendu beaucoup de services à notre football. Il a joué dans l'équipe du Tout-Puissant Mazembe. Il a commencé jeune à Kinshasa avant d'aller à Lubumbashi, où il est resté jusqu'à la fin de sa carrière l'année dernière. 13 ans, Mputu, je l'ai aimé. On était copains à un moment donné, parce que je le suivais, je le filmais, et on est devenus amis. Il est arrivé avec Mbokani. Au départ, ils n'étaient pas des titulaires dans l'équipe nationale de la RDC. Il y avait Chabani Nonda dans le temps, il y avait Lola. Donc, ils devaient patienter un peu. Et vous savez, Mbokani, après leur élève, après le départ de Lola et Chabani Nonda, ils sont devenus des grands. Et Mbokani joue encore. Poto a arrêté. Mbokani joue encore. Mbokani vient de signer à l'âge de 37 ans, je crois. À l'âge de 37 ans, il a signé dans un club albanais de première division. Mputu, lui, il a arrêté avec Mazembe. Il veut se lancer dans la politique. Robert Kidiaba, il est dans l'équipe de Léopard comme entraîneur de gardien. Je crois qu'il a aussi une fonction au sein du tout-puissant Mazembe. Pamphile Miyayo, lui, il est l'adjoint de Desabre dans l'équipe nationale de Léopard. Il est également assistant, je crois. Il joue aussi un rôle important avec l'équipe de Chad, de Otis Ngoma, qui entraîne l'équipe de Chan, donc le loco. Pamphile aussi faisait de la partie. Quand je les ai rencontrés, il avait à peine 18, 20, le plus vieux, je crois, devait avoir 21 ans, c'était Robert Kidiaba. Regardez, presque 20 ans après, ils sont devenus grands, mais regardez ce qu'ils étaient il y a 20 ans, c'était en 2005, il y a 18 ans. Je les ai rencontrés, on a discuté pendant un moment. Regardez, rigolez, gardez la bonne humeur, c'est ça la vie. Regardez les débuts de ces jeunes garçons dans l'équipe nationale des Léopards, où ils sont arrivés en 2005, ils n'étaient pas titulaires. Hein. Ils étaient des remplaçants, ils ont fini par devenir des titulaires. Regardez. Déjà, il y a qui a quitté. Il y a qui est bon, avec match terre. Mardi on a match terre. Chambre bien le combien? 265. 265.
C'est un 5, c'est un 5. Avec certitude. Et tu n'as pas la bino. Le bureau mi pro qui m'a fait. Ah bon? Tu n'as pas la bino. Ah bon? Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui en direct de Chantilly, non loin de la région parisienne ici en France, le 8 joueurs qui représentent le football chabien au sein de notre équipe nationale. Vous savez, notre équipe nationale a séjourné ici en France depuis bientôt 2 semaines. Ils ont livré 4 matchs avec 3 victoires d'affilée et 1 défaite. Le bilan est largement positif pour préparer le prochain match, le 4 septembre prochain, contre le Cap-Vert, le match comptant pour les éliminatoires, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, Gimélé. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter tour à tour tous les joueurs du Chaba qui ont fait partie de cette délégation. Ils sont nombre de 8, 7 sont venus de Mazembe et un seul vient du FC Loupopo. Alors sans plus tarder, je vais recevoir tour à tour
autour de notre table. Je reçois Eyalé. Bonsoir Eyalé. Ça va? Regardez la caméra, si tu peux me voir. Ok, mettez-moi. Alors Eyalé, tu es un mur. Ouais, qui parle. Ouais, combien de match? Milan et l'équipe la première. Avec une équipe nationale, 4 matchs, 3 victoires, défaite pour Ouganda. Milan est un positif. Oui, Milan est positif. Monika, Nettingham est la première sélection de l'équipe nationale. Écoutez, Bama, c'est déjà Baza, déjà. Aroumé et moi, Baza ensemble. Force au Baza, l'amour. Je suis en train de me faire un amour. Et au moins, il fait ce et je force mon avantage. C'est dans le cadre de victoire, on a pour tout décidé. Le bandit de un match avec eux. Puis, attendez, la mission est habillée, attendez, quand même, c'est que le roi est habillé à ses potes à la défaite. Et on a donné au salle à tout le match, nous sommes tous à la victoire. En tout cas, donc, dans les sélections, bilan à eux, bien. Nous pouvons quand même nous aider. On a un grand mot, mais. Tout le bagage, on va utiliser des pour tous les méritants. Mazemaza premier, puis surtout lundi, deuxième, il y a un autre examinat. Majorité nationale de l'AVLA. En tout cas, merci Migi. Alors, Cass, bon, venez. Ça va, Cass? Ouais, tu peux te mettre là. Alors, Cass, bon, il y a un peu joueur en Mazembe. 4 victoires, 3 victoires, 1 défaite. Bonsoir Kassoussoula déjà. Ouais, si tu peux te mettre là. Alors Kassoussoula, football ça va? Ou tout ça là, petit match, 4 matchs. Défaite pour 3 victoires, ça va quand même pour la. Les gens qui t'ont mis pour la vie sur la région, les gens qui ont stage, voilà, c'est là tout le monde qui va, moi il faut qu'il va. Merci Bibi. Alors, on s'en l'a bien tout à l'heure. Candida. Il y a Mazembe. Toujours. Vous êtes belle, il y a Mazembe. Ok, pas de raison. En tout cas, alors là, c'est Moukandila. Alors, Moukandila, il en est. 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 Merci beaucoup. Alors, on continue. Bon, on continue de recevoir nos choix de l'équipe nationale. Salut, frère. En tout cas, Fanda, on se voit bientôt. Alors, Robert Kidiaba. Grand gardien pour la Randonne. Merci à toi. Biaï, grand numéro 6. Lionel. Kitoko. Ok, toi, vous fandez. Et en fait, on recevra Poutou Soda. Il y a un bilan largement positif, 2 vies à Mystique. En tout cas, Poutou Soda, tu es venu au fond de la Kiba. Ok. Bon. Alors, amis téléspectateurs, on continue notre mission spéciale. Tous les joueurs de l'équipe de notre équipe nationale de football, les Simba qui sont en stage ici, ils voyagent demain pour Kinshasa pour préparer le match contre le Cap-Vert le 4 septembre prochain. Alors, je vais discuter avec ceux qui sont venus du Katanga. Commençons par dire par le grand numéro 9, Mbokani. Alors, il y a eu ce qu'on a eu à la Bissot, depuis le Mbashi. On s'est presque 2 semaines à la photo. On a eu contre Guinée, on a eu contre
C'est un joueur français qui a chômage. Et puis contre Qatar, dans le match. Pour le Bani, il est bon. Comme bilan au 5 pour la Ligue personnelle. Alors, on va faire le bilan. Chacun va se présenter pour donner son bilan positif, bilan personnel. Je vous rappelle, nous avons passé près de 2 semaines avec eux, 4 matchs, une seule défaite, 4 victoires, 3 victoires. Le petit trait, c'est Poutou. Alors, le petit trait, c'est Poutou. Poutou. Babi, demi-mystique, petit amal. Pour le Babi, le nom va faire la bille de l'Oratal. Bachi, Katanon. Ils ont aidé les plus jeunes pour pouvoir aller la foot équipe toujours profiter d'un mot. Bah on va d'assez, mais quand la zanga monte pour être dans la zanga, on a voyé depuis un match dans la zanga pour avoir une préparation. Toujours apprendre à embêler, apprendre à embêler, à passer intervalle devant embêler. Et une équipe nationale là, peut-être, vous avez une chance au moment de la crise de sauter quoi. Bilan ça positif. Mon ingénieur Adam Tassika, Romain Sanati, Mouké. Pour découvrir sous ce mot, sous ce sport, la Kimba se va aimer. Mais bien la porte n'a pas bien été. Mais mouké au fil du temps, mon a est frère. En tout cas, bon mot. Pour le Bani, n'a pas l'oumpa les rôles. N'a pas l'oumpa, pas en calme. La Bina Journal, Baron Lazali, a représenté Bango, va continuer de soutenir l'équipe nationale. Va continuer de soutenir Ngaï, pour appeler la salle à Moussa, l'équipe de Bango. Donc, souci de Bango, il a des soucis dans Ngaï. Pour ça, là, tout ma chapelle la foot. Ok, merci, merci beaucoup. Alors, mon candidat, là, il y en a pour une touche mystique contre Qatar. Ils ont quota maintenant, papa, la mystique. Et puis, là, il y a un calato, il y a un calato. Depuis, là, vous m'avez dit, ça là. Non, vas-y, mais ça, moi. Surtout, moi, je m'en ai dit, là, il y a un contrat sur le monde. Ok, ça, là, il y a un bon. Merci à toi. Alors, yo, Mokan, yo, la monnaie d'or, le babi, le joueur le plus élégant. Nous sommes là, dit donc, Danzi. Je suis un peu plus de temps.
plaisir à toi. Un grand plaisir, Bénin. À la nuit, le dynamique. La nuit, le côté Bénin. Pour ça, un grand plaisir. Il paraît à foutre bien. Bénin est le Sinaï. Pour ça, la danse. Qui top. Qui top. Collier, qui top. Non, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Alors, casse. Je suis un qui est d'abord contre Guinée. Je suis un monde qui est match contre Qatar. Ok, merci beaucoup. Alors, Kassoussou là, je vais vous arrêter moi, calme tout ça. Trois matchs, quatre matchs, cinq matchs derrière moi. Trois victoires, au vivre en Nénu. Préparation de du temps. Depuis tout le temps, des préparations qui sont pour ça. De Betty Ball a bien, Corrigeur a bien, le stage a eu sur le Yuto. Dans les quatre, tu as monté ma. Les quatre, c'est pour le match. C'est pour ça. En tout cas, président Katumbe, qui est là? Et ça, la Gombe? Ça, il y a un plaisir. Le président a eu sur le Yuto, il a eu sur le Yuto, il a joué 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 le Yuto. Merci à toi. Alors, Mia, il y a ça mystique. Et tu n'as pas besoin de nous, car quand on m'a dit, mais il y a un peu de temps pour nous. On a un joueur polyvalent, en tout cas. On a partout. La bande qui a 10, on a un deuxième attaquant de pointe qui compte tenu de l'évolution, de la qualité, de l'entraîneur, de la monique. Maintenant, il faut attendre la saison pour casser et pour relancer. Ah bon? En tout cas, alors tu sais que Mingi, au moins le poteau, première photo déjà. Ça n'a pas première fois, c'est la troisième fois. Troisième photo. Donc, on se met ça là. Il a foutu le ballon. Il a foutu ce qu'on a. Bon, il a foutu ça n'a pas bien. Le moment où tu es en tête du classement. Partiel en tout cas, toujours salamaka si tu continues, tu as un peu de temps à saison. Tu as un peu de Champions League. Justement, ça, parce que ton message n'a pas de compétition. Ok, alors merci. Pour conclure, s'il vous plaît, on a un message de la ville de Montine, dans ma famille, dans ma coco, dans ma ligne. Passe mon message, la master, tout ce que mon mina on a combattu, et ça va bien. Père double.
Merci. Écoute. Alors, casse. Et là, on y a le balai, non? Naza na mingi ya loba oyebi ke naza pef du. Ah, za pef du za ma passe. Ah, na tata ma passe naza mingi ya loba te. Premièrement, na nous il faut na pesa pena ba jimen na nga mbote ya tro. Moi c'est na nga Clarisse moi mbui. Naza na bota na famille ngando na pesi famille ngando ba mutu ba mbote ya tro na ba fanyo sa ya katanga moi zimi na pesi ba mbu. Bambota to baza la calme to za ya bambota zo ya kala tete to se pour sa bambo bazo kwana baza pena na ndiki ya na zambi ya bambota na suti wa. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Kasul bien Roberto. Robert. Alors Robert yo lo bandini. Bon, nga na zana minga yo. Ah minga yo lo bate, na ni na pesa ka fanatique na nyon sur ma série. Bambota tro ba continue. Ah, bah continuer à nous soutenir bisous canéano. Deuxièmement, na ni na pesa na nos bisous na chérie na nga Pelazi. Na moi na nga Chimé na Genovic. Il na ou remplacer nga. Comme la Genovic Robert qui dit. Comme la. Merci qui dit ba Robert. Ah Kasusula. Yo lo bini. Bon, na nga minga lo bazé. Na pesi ba fan na nga nyo sa ba Chimbote. Donc on va continuer à soutenir Bisson. À notre aussi, parce que on a les na foot. Tout ça, il faut une photo de ma champion. Là, mais il a battu. Bon, on a monté la famille. La personne la famille, la mère, la famille qui a souffert. Papa, la mère, maman, la mère. Donc, il a là, il a battu. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, Soda, Boutou, Inkis, Babi, Bakala, t'es la Mikine. Alors, bon président Katumbi. Moïse. Ah, on a goûté. Dans un salon, il y a un salon. Il y a un salon qui est en train de faire. Ah ouais. Il y a un salon qui est en train de faire. Il y a un salon qui est en train de faire. À la début de la dynamique. À la début de la dynamique. Il y a un salon. Donc. Il y a un salon. L'autre est tout la fesse mbote donc. Pas à la main opposée, tu es pour nous préparer le bangwa. Pas à la main calme, tout le gaga, quoi on est vraiment baloubara. Pas à la main calme, toujours le bisou. Tu me dis quoi, on le bisou. Tu me dis quoi, on le bisou. Pas à la main opposée, toujours là. Ça bien. En tout cas, toujours le bon coup pour aimer la foot. Pas à la poser, tout le monde est pour le bangwa. Pourquoi on a besoin de la petite langue? En tout cas, mina ba la mukia ba fanatique bote ya Mazembe ku Lubumbashi, ku Kinshasa, ku Mbujimayi partout parce que ni équipe munene ko na ba fanatique fois chiote. Na ba la mukia bote na la mukia famille Kazembe, mama yangu, mama Kanyembo Claudine, bibi yangu, mama Sandra Kalonda, batoto yangu Emmanuela na Pamphile fils na bote ba la famille. Accent sana. Mbokane, Babi, le numéro 9 le plus élégant. Il y a solo doté. Il y a solo. Il y a un solo. Il y a un solo. On a passé tous les femmes et tous les fan clubs qui sont tous les gens qui sont tous les gens. Après, on est en beauté. On est en beauté. Na joie na bon ma zimbe bien mon quand net avant toi pendant coach nous que voir ça la mise pour toi on a dit na photo la fait vraiment tout bambote en plus pour la famille na qui famille besoin bon tout bassin rien son bagnas ma Françoise
tu as fait si bon en botte. Ah, donc les quatre dansent. Les quatre ont dansé. Combien de buts déjà? On est ensemble. On est ensemble, moi. Et puis, attends, mon gros quoi? Oui, ça là. Ça, ok. Alors, ton Soukissa, t'entraîneur Moukeba. Moi, Lido Bakaka, je suis un peu plus de choix, 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 avant de passer à l'interview du président Katumbi qui est passé nous voir il y a quelques jours. Bon, je voudrais seulement rappeler à l'opinion sportive katangaise que le Katanga, c'est la plus grande province de football au pays. Et que le Katanga, en tant que province économique de la RDC, le Katanga devrait normalement régorger des plus grands joueurs de ce pays et que le Katanga devait fournir à l'équipe nationale les meilleurs des joueurs qui devaient faire la fierté de ce pays. Cependant, depuis un certain temps, on a compris que le Katanga était tombé en désuétude, un peu trop bas par rapport à ce qu'on attendait de cette province. Aujourd'hui, depuis notre avènement dans cette ville, nous savons que le football katangais a repris, est devenu à un niveau très très élevé parce que le Tout-Puissant Ngembe Mazembe, qui représente en même temps la RDC, était le premier club congolais à jouer les quarts de finale de la Champions League et aussi les demi-finales de la Champions League. Ce qui fait que le football katangais est aujourd'hui à un niveau très très élevé. C'est pour cette raison que je voudrais rappeler aux Katangais que si on est arrivé à ce niveau, ce n'est pas parce qu'il y a eu de la violence au stade, ce n'est pas parce qu'il y a eu de la tricherie, c'est tout simplement parce qu'il y a eu du travail. Le travail qui a été bien fait par des entraîneurs de renommée que nous sommes, le travail qui a été fait par des dirigeants qui ont dépensé beaucoup trop d'argent pour amener leurs équipes à des niveaux très élevés. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate au Katanga, c'est de la haine, c'est de la violence. On a tout oublié. On a oublié qu'il y a une vingtaine d'années, le Katanga, c'était rien sur le plan football au niveau national. Aujourd'hui, le Katanga a repris la première place. Donc, il faudrait que les dirigeants, les supporters et même les joueurs fassent beaucoup trop attention. Qu'on invite du tribalisme, de la coterie tribalistique, de la politique, mais que l'on pratique le sport et que l'on pratique le football en tant que sport. C'est ça qui fera du Katanga une grande province footballistique. Pour ce qui est des fanatiques de Tout-Puissant Ngembe Mazembe, je pense qu'ils nous connaissent très bien et que nous sommes assez sérieux avec eux. Nous savons qu'avec eux, nous avons toujours eu un Mazembe très très fort. C'est pour ça que je le répète, que nous sommes forts avec eux. Cela signifie que nous voulons qu'ils soient avec nous tout le temps, à nos côtés, pour nous pousser d'aller vers l'avant. Et non pour nous obliger à commettre des fautes que nous ne pensions pas commettre, afin que l'équipe puisse faire des résultats dont on attend de tous. Quant au public sportif congolais, je pense que l'heure aujourd'hui est l'heure du bilan. On doit voir d'où l'on vient, depuis combien de temps qu'on est resté dans l'obscurité et qu'aujourd'hui qu'il y a la clarté qui vient d'arriver, le soleil est en train de poindre. Je pense qu'il faudrait que l'on saisisse l'occasion pour amener notre équipe nationale au point où nous voulons l'amener, c'est-à-dire la qualifier pour la CAN, pourquoi pas la qualifier pour la Coupe du Monde. Pour cela, un seul mot. Avec vous, nous sommes très forts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Coach. Moi, Lilo Bakaka. Cinq, huit joueurs. Il y a Katanga, il y a Kinaka. Au lobby, il y a un lobby qui vient de la Petit, Alexis Tandé. Écoutez, je crois que s'il y a 8 joueurs de Mazembe qui se retrouvent dans l'équipe nationale, c'est autant dire que Mazembe, pour le moment, l'équipe qui est au top, quoi, qui est au sommet, qui est en tête du classement et qui, au championnat national, qui bat les pleins.
c'est, ça se justifie. Ce n'est que normal, on prend que les meilleurs. L'équipe nationale est sélective, dans la mesure où les meilleurs doivent se retrouver, les meilleurs de la République doivent se retrouver. Le séjour ici à Chantilly, c'est un séjour qui nous a toujours été favorable, parce que moi je suis toujours convaincu que Chantilly, c'est un site de préparation, de prédilection pour nous. Chaque fois qu'on est à Chantilly, on rentre au pays, en tout cas, sincèrement, on gagne toujours. On fait de bons résultats parce que le site se prête bien aux conditions de préparation d'une équipe de haute compétition. C'est bon, je crois qu'il faudrait encore revenir ici davantage, de manière à ce qu'on puisse avoir autant de victoires que possible. Ok, merci beaucoup. Alors, viens champion Mbongo. Champion Mbongo. Babio Lela Simba. 7 joueurs à Lubumbashi Bayakiawa, il y a Katanga. On vit vraiment dans les lignes. Yom Toebi Simba bien. On a vu vraiment. C'est peut-être on a moni ba petit, Neng Bayakiawa. Ba petit, ba beti bien, ba c'est petit biso. Mais malheureusement, que Moko a dit qu'on s'est sauvé. Donc, il y a toujours s'inquiéter que les athées ba pimé la équipe ba visa. Parce que bon, c'est la deuxième fois que je joueur à Kima. Alors il y a toujours un souci. Tout le besoin que je vais souvent pour s'entraîner à Awa. Pour que je vais à Awa, je vais à Simba, Mais bon, espérons que le blocage au salamaté pour la petite Awa se sauver. Bon, on a ça, on va venir au bâtiment, c'est ça. Merci. Je crois que tu as peur, t'attends ma passe. Poutou. Babio, ben Poutou. Oyebi Simba qui toko. Nakate qui passe Simba. 7 joueurs, Baouti Namazembe. On va dominer. On vit le baron d'Aïne. Et non, ben ça c'est déjà une bonne chose pour l'équipe nationale. Et malheureusement, moi j'ai pas eu le temps d'assister à tous les matchs. Mais je suis très content. Comme je suis là, je suis très content. Malgré tout, il y a certains joueurs qui ont l'habitude, quand ils arrivent ici en Europe, ils faussent la compagnie des autres et tout ça. Mais espérons que ça va toujours continuer, que les joueurs ils viendront toujours ici en France. Parce que quand ils sont à l'étranger, ils auront tout le temps de bien se préparer. Donc voilà, que nous, notre souhait à nous, que l'équipe, notre équipe nationale aille toujours à l'avant. Voilà, ça c'est un message pour le, surtout pour les joueurs. On est très contents, ils ont joué. Bon, j'ai appris qu'ils ont bien joué. Mais moi, je n'ai pas assisté. Mais je suis très content quand même de leur façon de jouer. Et merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Alors Pascal, bonsoir. Oui, bonsoir. Toto Solano va jouer à Katanga, à Mazembe, pour renforcer le drapeau de la mission nationale. Au passé, moi, il y a un bon débat qui est à Paris. Il y a un joueur à Mazembe, au moins 7 joueurs à Lopopomoko. Au vif, il y a un bon débat. Non, mais c'est d'ailleurs bien. Bon, voilà, va pas jouer déjà tout le temps à Bango, mais une fois, tout le temps à presque à tout le monde, l'équipe nationale. Bon, c'est un bon joueur. Mm-hmm. Ma sélection, la sélection va bien. Ma joueur a bien, il y a trop. Tu peux venir au monde, donc c'est que cette fois-ci, vraiment, qualité est allée. La qualité y est, ouais, va jouer. Bonjour, bon matin, boy. Non, il y a un bon matin, cadre à Bibazali, tout ça va cadre à Bétabali, donc on va suivre ma caméra à la loupe, pour que moi, je me suis mis à la tête. Il y a un joueur à Vita, tant que mon président Moïse Katumbi Ayao, à la nuit à Paris, à un hôtel, au Soroni qui toque, et ça là qu'il y a. Bon, on va aller bien de l'hôtel. Oh, oui, bien, quand même. Là, depuis que ça fait 5 ans, 6 ans. Depuis que le président Moïse, ça fait 6 ans. Mm-hmm. Bon, le président Moïse, il est bien, il est un bon dirigeant. Ça l'a payé pour moi, on va un peu comme la valeur. Quoi. Ouais. Pour soi, son joueur, à tel joueur à l'aise, à tel joueur à la bien.
Je suis un peu plus de temps. Contre Cap Vert. Bon, il y a un match dans la Mboka Nabiso. Mais il y a un match dans la Mboka Nabiso. Il y a toujours soutenu Nabiso, il y a soutenu Nabiso dans le match passé. Il y a un match qualificatif pour Nabiso, pour la CAN, le mondial, puisque rien n'est encore perdu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un match dans le monde. Il y a un Cap Vert. Coupe d'Afrique déjà. Oui, si tu gagnes 4-20, tu as déjà d'office dans la Coupe d'Afrique. Oh, la nuit, c'est vraiment comme à souhaiter. Tout ce qu'on a donné 4 Afrique, c'est tout en ligne. On va supporter, mais bien construire, on marque tout, quoi. Soutien total. Non, soutien total, on va bien le soutien total, mais on a marqué tout, on va soutenir, la position, tout. Sur le terrain, on va prier, on va tout, on va soutenir, pour que tout la victoire. Voilà. Donc, on va dans la calme, on va le voir, on a signé. Et vous, il y a plus que non, et bannis ma bise sous qui m'a l'âme. Je ne vais pas comprendre ta foule. Merci, Mingi Pascal. Personne n'a pas mot de Mingi, le président André Kimbuta. Ouais, non, comme ça, moi, voilà, Bill Clinton, c'est le sommet, quoi. Donc, n'aimez-vous pas le blague, vous voyez qu'il y a un soukawana, mais n'aimez-vous pas comme ça, le camarade. Ok. Merci, Mingi Pascal. Merci. Mais pour tout le monde, 23-0, facette. T'as la rare, ouais, j'ai l'eau bien. Ah, donc, j'ai l'eau bien. Bon, merci. Là, je vous en ai toujours passé la côte. Je vous en ai toujours l'exemple, madame. Et les canons, que là, la moins bien, là, environ 8h, on est dans ma tour. Tu libres là, les lots, tous les tas, là. Ton fatigue, là, on est ça. Ok. Ok. Quitte-toi, quoi. Là, vous êtes envoyé spécial du président Moïse ou quoi, non? Non, pas vraiment. Non, qui est quelqu'un de remarquable, qui est quelqu'un qui est en plus un président remarquable. Ouais. Avec Jordan Mazembe, c'est. Il y a tout, il y avait des gardiens, des défenseurs, enfin gardiens, il y a Kidiaba, Kasusula, Miayo, Poutou, qu'est-ce qu'il y avait encore, Bokani. Il y a des joueurs de grande qualité, tous très complémentaires. Ben, c'est une des bases importantes de cette jeune équipe nationale locale. Et bon, on voit qu'ils travaillent bien dans leur club. En plus, c'est un club où ils sont très suivis parce qu'il y a un président qui est quand même très présent. Et avec moi, dans leur comportement, ils sont toujours exemplaires. Quoi. C'est... Et en plus, il y a dedans vraiment le petit Bocani qui va arriver à, je pense, à très haut niveau assez rapidement. Et Mpoutou qui est un surdoué. Alors maintenant, il faut qu'il apprenne que la vie de footballeur de haut niveau, c'est aussi plein de contraintes, une énorme discipline. Il a l'air de l'avoir compris, là. Il a l'air de bien de s'être ressaisi, mais il nous a fait 4 superbes matchs pendant cette tournée européenne. Et il fait partie de ces jeunes joueurs sollicités un petit peu de tous les côtés. Il ne faut pas vouloir aller trop vite avec lui. Je pense qu'il a encore un petit peu de fin de formation à faire pour revenir à un très haut niveau. L'autre fois, vous étiez avec le président Katumbi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous êtes resté longtemps à discuter, passer la soirée ensemble. Qu'est-ce que vous vous êtes dit alors? Bon, ben, vous savez, on ne parle pas que de football. Il y a des gens qu'on croise comme ça dans la vie et avec qui il y a un feeling, avec qui nos épouses étaient présentes. Donc on a dîné tous les quatre. C'est quelqu'un de la qualité, c'est quelqu'un d'ouvert sur le monde, qui voyage beaucoup, qui connaît beaucoup de choses, ils nous ont beaucoup parlé du Congo, du Katanga, que moi je ne connais pas encore. Ouais. Et on s'est dit qu'on allait probablement essayer de faire une espèce de tournoi un peu triangulaire entre Loupopo, Mazembe et l'équipe nationale locale pour trouver un peu des fonds pour créer cette maison à laquelle je tiens tant, qui est la maison du Simba à Kinshasa, où tous les anciens internationaux de l'ex-Zaïre, de l'RDC, de l'ex-Congo-Belge qui est encore en vie et tout, seraient les bienvenus avec un bar, une salle de jeu et tout. Je pense que si on veut véritablement montrer qu'on est
marque des progrès. Personne ne s'est jamais occupé de ça. Il faut qu'on inaugure dans les 12 prochains mois cette maison du Simba à Kinshasa. C'est un de mes grands projets et on a parlé de tout ça. En tout cas, merci M. Claudora. Merci. Voilà, amis sportifs, pour clôturer notre émission, j'allais vous donner quelques nouvelles qui viennent de tomber ce matin. J'ai lu dans la presse française, c'est l'équipe, le quotidien le plus lu en France, qui vient d'écrire un article sur Milambo, qui confirme l'arrivée de Milambo dans l'équipe du Havre. La durée, c'est pas connu, mais nous savons que Milambo a signé avant-hier. Et puis l'équipe de Parisiens qui reprend la même information. C'est-à-dire que 4 de nos joueurs vont signer dans les clubs professionnels français. Tsumbo est annoncé à Rennes, Milambo au Havre, 2 qui iront au Bastia, ils ne sont pas encore connus. Mais en dernière minute, nous apprenons que Ilongo Sadam va signer en Suisse. Voilà le petit document que nous avons voulu proposer ce soir sur le petit séjour de notre équipe nationale ici en France. Le bilan, je vous rappelle, 4 matchs, 5 matchs. 4 victoires, une défaite, le bilan largement positif. Nous leur donnons la chance pour le 4 septembre prochain contre le Cap-Vert pour avoir notre billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Merci à toute l'équipe qui m'a accordé confiance, qui m'a sollicité ce soir et surtout qui m'a soutenu ce soir. Je pense à mon réalisateur Floribot Tombé, Jean-Marie Essenga, Fefe Ferruzzi et tous les autres qui étaient avec moi ce soir. Nous faisons également un coucou au président de Tout-Puissant Mazembe, M. Moïse Katumba, qui est passé à Paris nous voir. Merci à tout le monde et à la prochaine. Bonsoir. Voilà, les images, vous avez aimé, ça vous a plu. Ça, c'est des vieilles images que je n'ai jamais diffusées parce que je les gardais jalousement. Je vous dis, parce que j'ai appris, Poutou bouge du côté politique, on lui rend hommage. Hein. Et du coup, j'ai fait d'une pierre plusieurs coups. J'ai rendu hommage à tous, Kidiaba, Pamphile Miyayo, Ngandou, Kasusula, Eyalé et le grand Mbokani qui nous a rendu service. Il a failli nous amener à la Coupe du Monde l'année dernière. Malheureusement, on s'est buté sur le Maroc. 4-1 au match retour. Après avoir match nul au match aller, 1-1 à Kinshasa. Donc vous voyez, ils étaient jeunes quand ils sont arrivés, ils ont été patients et ils ont fini leur carrière en beauté pour ceux qui ne jouent plus. Même Bokadi joue encore, je crois, il est dans ses dernières années. Voilà, on voulait vous faire plaisir avec ces images. Merci. Je vais vous proposer la fois prochaine les images également. La promenade de l'équipe nationale des Léopards, toujours, quand Claude Roy était là, c'était à Senlis, non loin de Chantilly, dans la barre parisienne, où ils avaient l'habitude de s'interner pour préparer le match, préparer les compétitions. Nous allons aussi vous montrer des images que je n'ai jamais diffusées, en tout cas sur Internet. C'est les images sur Makoukoula, parce que j'ai entendu les gens spéculer. Makoukoula, c'est un candidat. Pourquoi ? À Salani, Nipona, Léopard, Yanyo Kwamate. Attention, pour aimer les Léopards, il ne faut pas forcément jouer avec les Léopards. Nous n'avons pas souffert avec les Léopards. Nous avons travaillé avec les Léopards, c'est une façon aussi d'aimer cette équipe. Donc, je vais faire un document sur Makoukoula, Aziz Makoukoula. Je ne le soutiens pas, mais je vais lui parler. Je vais parler de lui parce que j'ai appris aussi qu'il est candidat à la présidence de la Fédération Congolaise de Football Association. Les élections, c'est pour le mois de décembre prochain avec M. Donald Yoke, le colonel Donald Yoke, qui est chargé des élections. C'est lui qui s'en chargera d'ici le mois de novembre prochain. Merci de m'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, Christian Mbamou et Sonny Mukanda. Je vous dis merci pour ces soutiens, pour cette assistance technique. On n'oublie pas Roger du côté de Kinshasa, Roger et Kabeya qui nous a assistés. Et on fait coucou à Clovis Badiabioko, notre nouveau téléspectateur. Il est fidèle, il nous écrit, il commente les émissions. Merci fidèle. Merci fidèle secrétaire Clovis Badiabioko. Eh bien, il faut partager, liker, faites connaître l'émission à travers les mondes. Alors, merci à Christian Babou.
On n'oublie pas Sonny Moukanda. Et merci à vous, téléspectateurs. Et José Lombala, du côté Kinshasa, on fait coucou. Et en nous disant également bonne nuit à notre ami Guéravan Toto, du côté des Clermont-Ferrand. Et pourquoi pas, astronaute baccalauréat, ici dans la région parisienne. Donc on se retrouve bientôt pour voir la promenade, le match du football entre la République démocratique du Congo contre l'équipe de la Tunisie. C'était à Charlity, hein, c'est toujours en 2006, à Charlity, le match qui s'est terminé en queue de poisson. L'équipe, le fanatique de l'équipe de la Tunisie était très agressif. Ils ont menacé les joueurs congolais. Après, il y a eu la bagarre générale. Je ne vais pas montrer la bagarre, mais je vais vous faire montrer cette journée-là, comment je l'ai passé avec les léopards. Au départ, c'était la promenade dans la forêt de Senlis. Ensuite, nous étions au stade et enfin, on s'est dispersé dans le désordre parce que les fanatiques extrémistes de la Tunisie ont semé la désolation, les désordres, alors que nous étions là pour la fête. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bonsoir. Thank you.